Salut tout le monde, c'est Jeffrey Martinez. Alors voici le dernier message important pour le Royaume 2. Ce message est adressé pour le groupe des cœurs, puisqu'il n'en reste plus qu'eux. D'ailleurs, je profite pour remercier tous ceux qui font partie des rôles principaux et qui m'ont rendu tous leurs parties. Ça y est, j'ai les parties de tout le monde. Il manque quelques petits détails encore, mais tout le monde a rendu ses parties pratiquement et c'est vraiment génial. Et waouh, c'est vraiment super parce que franchement, vous pouvez être fiers de vous parce que je veux dire, c'est le plus gros qu'on a fait. Hein. Après, moi, je vais m'attaquer au mixage. D'ailleurs, j'ai déjà toutes les chansons sont pratiquement faites. D'ailleurs, moi, j'ai fait ma partie il y a quelques semaines à Youpendi. D'ailleurs, je remercie Miguel pour m'avoir aidé à faire cette chanson parce que c'était pas trop gagné au départ et grâce au conseil de Miguel. Donc, merci Miguel, tu es génial. Voilà, oui, alors pour le groupe des cœurs, donc je vous ai envoyé un message, le premier message, en vous expliquant ce que vous deviez faire. Alors, le plus important, c'est de réussir la chanson de trahison. Et jusqu'ici, ce que j'ai reçu, déjà les parties de certains, et vraiment, ça donne vraiment un beau résultat. Enfin, moi, personnellement, j'adore. C'est vraiment excellent. Donc j'attends les autres parties des autres pour vraiment voir si on arrive à faire un beau cœur au niveau de cette chanson qui est très compliquée. Mais vraiment jusqu'ici c'est génial. Donc pour vous expliquer ce que vous devez faire, si vous faites partie du groupe des cœurs, vous avez une scène qui s'appelle la scène 18, qui en fait est la scène juste avant la chanson de trahison, où en fait Kovu vient plaider sa cause auprès de Simba, lui dire je ne suis pour rien toute cette histoire, je ne t'ai pas trahi. Et en fait, il y a tous les animaux là qui voient Kovu, qui sont outrés de ça, le fait qu'il soit là. Ils sont là, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là et tout ça. Quel culot, voilà, le culot, voilà, c'est là que je cherchais le mot, c'est quel culot qu'il a d'être ici. Et donc après, ils disent on veut qu'il soit banni et tout ça. Donc, en gros, je vous ai préparé un script où, en fait, j'ai créé plusieurs répliques pour qu'en fait, vous soyez... Pour qu'en fait, quand vous allez rendre vos parties, moi, je vais sélectionner ce que vous m'avez donné. Et en fait, je vais créer un effet de foule. Un effet où plusieurs personnes parlent en même temps. Et voilà, ça va créer un effet de foule. Donc voilà, ça c'est pour la petite scénette. Ensuite après il y a la chanson normale. La chanson alors a été divisée en trois parties. D'ailleurs je remercie encore Grégoire Abelfort pour m'avoir rendu ses parties et m'avoir divisé la chanson Trahison en trois parties et m'avoir fait les chœurs de cette chanson qui sont vraiment géniales et grâce à l'instrumental que j'ai réussi à avoir, ça donne un beau résultat. Donc la chanson est divisée en trois. Et donc pour les filles et les garçons, vous avez je vous ai envoyé le soutien des cœurs si vous avez besoin d'aide au niveau de savoir quelle tonalité il faut prendre ou au niveau du rythme, ne serait-ce que pour être bien synchro et pour être en rythme avec tout le monde. Donc ça c'est vraiment important. Après si vous arrivez à être synchro sans le soutien, vous faites comme vous voulez. En tout cas, sachez qu'il y a un soutien qui est là. Ensuite, pour les filles, pareil, vous avez un soutien. Et je remercie Nanouchette de m'avoir rendu ces parties qui sont vraiment excellentes aussi. Et donc, vous avez les parties de Nanouchette, voilà, qui est en trois parties. Pareil, et ici encore. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, pour ceux qui veulent faire que la scénette, donc la scène 18, juste avant la chanson, si vous voulez ne faire que la scène, vous ne faites que la scène. Si vous voulez faire que la chanson, vous ne faites que la chanson. Et si vous voulez faire les deux, vous faites les deux. Voilà. Donc dans les deux cas, vous avez le choix. D'ailleurs, j'en profite pour dire, tous les nouveaux kiwis, ou tous les kiwis en général, ou même youtubeurs qui voudraient participer à cette chanson et à ce projet via cette chanson et qui aiment bien, qui voudraient en faire partie, eh bien, vous n'avez qu'à auditionner en me montrant un petit essai
de la chanson Trahison. Pour voir, j'ai besoin de voir si vous savez chanter ou quoi, ou si vous savez jouer, ou la qualité de votre micro. Parce que j'essaye vraiment de rendre un travail propre et net, de bonne qualité. Donc, vous m'envoyez votre audition à l'adresse affichée ci-dessous. Si vous savez chanter ou si vous savez ne serait-ce qu'un petit peu jouer, vous pouvez participer à cette chanson et à la petite scénette, à ce petit passage pour le Royaume 2. Je crois que c'est tout. Donc, je vais vous... après la sortie de cette vidéo, je vais bien sûr vous envoyer... Je vais vous renvoyer un message via un message privé sur YouTube et sur Skype. Je crois que c'est tout pour la scénette et pour la chanson. Donc, voilà, si vous avez encore des questions... Ah oui, très important, vos parties sont à rendre le 22 janvier. Et si ceux qui n'ont pas rendu le 22 janvier... mais vous comprendrez que si j'ai pas beaucoup de monde pour me faire un effet de foule, je serai obligé de mettre la version VF, voilà, la version VF, enfin les voix originales, quoi. Mais bon, après, enfin, c'est vrai que la chanson est plus importante que cette petite scénette, mais après, la petite scénette, c'est bien aussi. Moi, je trouve ça, c'est intéressant de voir si on peut réussir à faire un effet de foule avec la voix de plusieurs personnes. Moi, ça m'intéresse, je voudrais vraiment réussir à faire ça. Donc j'espère que vous serez nombreux et que vous réussirez à rendre vos parties d'ici le 22 janvier. Je crois que j'ai tout dit pour le Roi Lion 2. Ah, je vais juste vous rappeler qui est officiellement placé dans le groupe des chœurs. Donc, dans le groupe des chœurs, nous avons Grégoire L. Abelfort, donc, qui m'a déjà rendu ses parties. Childhood Never Ends. Mademoiselle Ovive, Safaya, Flood, Sined Masaki, Tsokio, X Feritopia, Nounette, Nanouchette, bon, elle me l'a déjà rendu, Nihonshu, Miguel 01X, Lilian Doublé, Maël Artiste et Eris Goodness Discord, pardon. Qui m'a déjà rendu sa partie aussi. Donc voilà, après, comme j'ai dit, ceux qui veulent participer, eh bien, ils participent et auditionnent et m'envoient un petit message ou un commentaire sur la vidéo ou à l'adresse suivante. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, je vais commencer mes parties. Voilà, moi, j'ai pas encore commencé mes parties, mais je vais commencer mes parties pendant ces vacances et j'espère que je vais pouvoir terminer. J'ai l'idée de faire un live pour le Roi Lion 2 après qu'il soit sorti, que je sorte la vidéo du film complet, du projet donc, et je voudrais faire un live. Alors, je vais envoyer un message à tous ceux qui participent au projet, notamment les Kiwis, enfin, qui font partie du projet, pour savoir s'ils sont d'accord, sachant que je précise juste qu'un live, ça ne veut pas dire forcément montrer son visage. Hein. On n'est pas obligé de montrer son visage et être n'avoir que son micro. Voilà, petite précision en plus. Donc oui, je vais leur demander s'ils sont d'accord. Et si majoritairement ils sont d'accord, eh bien on pourra faire un live où ceux qui veulent poser des questions, qui sont intéressés par ce projet, qui s'y intéressent depuis le début, qui ont des questions, ils pourront directement poser des questions à ceux qui ont doublé les personnages, etc. Et même à moi me poser des questions, etc. Et on répondra tous à vos questions. Si on a personne, je rassure pour les Kiwis et pour ceux qui participent au projet, parce que j'en avais certains qui s'inquiétaient sur ce sujet, je vous poserai moi-même des questions ou on parlera sur le projet. Donc, vous inquiétez pas, je vous poserai des questions, on parlera du projet, ne vous inquiétez pas, on se retrouvera pas comme des cons à attendre que les gens nous posent des questions, ne vous inquiétez pas pour ça, on fera pas un live pour rien. Ne vous inquiétez pas.
J'ai l'intention de faire. Oui, je vais sortir une prochaine bande-annonce avec toutes les voix. Je crois que j'ai fait le tour. Donc en tout cas, je remercie encore vraiment vraiment merci à tous ceux qui ont participé à ce projet et qui comptent y participer parce que c'est vraiment un beau projet qui est en train de se concrétiser. Donc voilà, vraiment vraiment merci beaucoup à tous et tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet. Voilà, et puis je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose ou que vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et de bonnes fêtes, de joyeux Noël et de bonnes résolutions pour la nouvelle année qui s'annonce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la mienne, pardon, de liker la vidéo. Et ben voilà, et puis joyeux Noël, bonne année, de meilleurs vœux du monde, et à bientôt. Allez, ciao.